Il fait quoi, Pépito, là? Enfin, ça va, t'as plus mal aux jambes hein, depuis la dernière fois. Par contre, faut juste qu'on aille changer vêtements, juste que j'aille chercher un gilet. Va au magasin de fripe là, vêtements tout pourris. Juste prendre un petit pull au vert, pas de problème. Oh, ça c'est une voiture volée. Putain. T'as vu le taré là, le tonneau qu'il a fait derrière? J'ai vu, c'était lui, je crois. C'est une voiture volée, ça, non? Ouais, je pense. Une voiture blanche comme ça, sportive, 700 000 $. Hop, alors. Je me rappelle plus, c'est quel. Moi, j'aime bien le para là. J'aime bien le para. Le para comme ça en mode gilet. Ça fait Gambino. Mais la dame, t'as cru que tu faisais un défilé de mode ou quoi là? Ferme ta gueule. Arrête de m'emmerder. Ma vie comme Gambino, comme ça ils vont croire que c'est lui. Un bâtard. Mais y a pas de problème, il a un casier comme long comme la moitié de mon sexe. Essaye de parler comme lui là. Comme la moitié de mon sexe. Essaye de parler comme lui là. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème. Oh là là. De merde. J'essaye hein, désolé hein. Lui là, 3 cancers en même temps. Au moins. Ah ouais. Arrête de bander. Ah d'accord, vous êtes là. Hop là. Il est où? Vas-y, je monte. Je monte avec toi ou quoi? Ouais, go masque. Go mettre les masques dès que vous pouvez. Dès qu'on arrive sur place, vous mettez les masques et vous sortez le gun direct. Par contre, te moque pas de mon masque, hein. J'ai trouvé que ça à la poubelle. Tu veux que je fasse quoi? Je vais au Comico ou quoi? C'est masque de J. Je vais les attirer au Comico? Non, moi il me faut Mladen et il me faut toi comme lapin. Ouais, mais lapin, c'est à dire je tourne autour du pâté? Ouais, tu tournes autour du pâté. Ok. Vas-y. Okay, C'est parti. Mladen, limite tu prends un autre véhicule, comme ça tu laisses Peter tout seul. Et du coup, moi je tourne aussi. Non, pas la bannière derrière, même la donne. Attends, tiens, faut que je te file l'ecstasy. J'en fais quoi de l'ecstasy? Bah, tu viens vendre avec je moi. Je te fous dans le cul. Ah, d'accord. Cooper. T'as yo, Peter, je t'envoie des messages, tu réponds pas, t'es pas très cool, hein. Je crois qu'il y a eu un petit souci, parce que ça venait pas de toi les messages. C'est pour ça. Ah, ok. Dis, mais. On va vendre l'ecstasy, les potos. Planté. Ok, ok. On y va, c'est parti. Cooper. Vas-y, allez, on est chaud. Je suis pas discret avec tes conneries, avec ma bagnole. T'es le pare-brise pété avec des tirs dedans, quoi. Mais y'a pas de problème, c'est alibi, comme ça tu dis que t'es victimisé. Tu déposes devant. Hein. Oui, pas de problème. Et on se dépêche. Ah mais moi là je sers à rien en fait. Pourquoi? Parce que ça me dit revente terminé. Bah refais, reappuie. Ah ok, nickel. Tiens-moi au courant combien de temps reste. Radio Bandit, je fais le tour du Comico. Le moindre tu l'on se casse. Hein. Radio Bandit, il y a Chang qui sort du commissariat. Dis-moi où elle va, dis-moi où elle va. Je regarde. Je suis au feu rouge. N'importe quelle fille que je vous préviens, on l'allume. Hein. Et alors, j'ai pas d'armes. Hein. Putain, mais toi je. Ok, j'étends ça. Ils prennent la voiture, ils sont deux dedans. Non, moi pas gitan. Moi pas gitan, mais moi avoir beaucoup de problèmes. Ils sont deux dans la voiture de la police.
Ils sont feu rouge. Feu rouge devant le pont, ils sont. Pour l'instant, ils sont feu rouge, ils attendent. Rouge devant le pont. Rouge devant le pont. C'est bon, vous êtes safe, ils tournent à droite. Ils prennent le pont, prennent le pont. Non, non, ils ont pris l'opposé. Ils sont partis vers l'ouest, c'est bon. Oh my god! Mais c'est quoi ce connard là? Non, d'accord, j'ai cru que c'était un mec. A mon avis, il aime pas les gitans, il a essayé de t'écraser toi avec ton sac poubelle. Alors, c'est un nouveau style dans le milieu du gangsta, ok? C'est pas un sac poubelle. On dirait qu'on t'a pas... on dirait que t'as fait une séance sadomaso. Fais gaffe parce que des fois y'en a qui sont civils aussi. T'as pas fini. Ah oui, de toute façon avec la thune je vais me prendre un nouveau scotch blanc, c'est bon. Un hélicoptère. Il m'en reste 10 hein. Qui retourne au commissariat. Ok, hélicoptère police qui retourne au commissariat pour l'instant, tranquille. Ah c'est... je crois que c'est les médics en fait. Je repasse devant le commissariat. C'est bon pour moi. Je suis dans le commissariat, y'a personne. Encore 6. C'est bon pour moi. Vas-y, viens chercher Mladen. Viens chercher Mladen. Viens chercher Mladen. Radio Bandit. Radio Bandit. Go. Viens chercher Mladen, chercher Mladen, Peter. Vas-y, j'arrive. C'est bon. Rendez-vous à l'hôpital. Ok, vas-y, go. Non, rendez-vous à la planque, rendez-vous à la planque. Changement, rendez-vous planque. Ok. Ah bah c'était tranquille les gars. Super. Bon envoyez-moi toute la thune là. Ou sinon c'est Pepito qui la porte. Au choix. Pepito comme tu veux. On a un blanchisseur ou pas? On y travaille, t'inquiète pas, je t'ai dit qu'on y travaillait. Mais on y travaille pendant combien de temps? Bah 2 secondes. Ouais on mais le truc c'est que si vous mettez la responsabilité de l'argent sale, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez me tuer, vous allez me finir aux égouts quoi. Enfin, je vais crever la bouche ouverte, c'est sûr. C'est trop de responsabilité. Ok, d'accord. Ok, là le russe il me tue. Ok, il me vise. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il fallait pas dire? T'as confiance ou t'as pas confiance maintenant? Ce qu'il fallait dire, c'est pas non. Mais tu. Ok, bon, ça va, je prends la responsabilité de la thune. Ok, donnez-moi la thune, je la garde. De toute façon, ils vont jamais emmerder un petit mec comme moi qui fait de la bijouterie quoi. Donc ça va, je pense. J'ai bien sûr. Par contre, prochaine fois que tu dis russe. Toi, le russe, t'as l'air trop vénère. Prochaine fois que tu dis russe, par contre, tu vois. Ma crosse, elle a pas encore de nom. Je peux bien la nommer au nom de ton front. Pourquoi il est méchant? Pourquoi vous êtes tous méchants dans ce gang? Gambino, toi. Ah si, t'es méchant, vous êtes tous méchants. Pourquoi y'a pas d'amour dans ce gang? Faut qu'on avance bah, côté argent blanchi. Ouais, ouais je travaille quand même. Ouais, je sais. Que je donne-moi la thune, Mladen. Quelle thune? Là, tu vas voir la bagnole là-bas? Mais putain, on y va. Oh, ok, ouais. Oh, je crois qu'ils s'embrouillent. T'inquiète. Mais c'est normal. Ah, c'est routine, ouais, c'est vrai que c'est la routine. Ouais, ça c'est cadeau. Putain, mais pourquoi moi? Ça c'est cadeau. T'as bougé. Voilà. Tiens, oh. Maintenant tu vas me donner ma thune, enculé. Ouais. Ok, non, je te finis. Va. T'as compris? J'ai ramassé trop de bleu dans ce gars. Tiens, Pepito, paye pour lui s'il te plaît. 2000$. Ah, combien super. 2000 de quoi? La dot, t'as droit. 2000$ s'il te plaît. Pourquoi 2000? Non, pourquoi? Le russe il m'a dit, sinon il te défonce la gueule. Eh ça c'est normal ça G, je dois payer. C'est juste frais d'entrée, après je t'emmerde plus. Mais pourquoi je dois payer 2000? Frais d'entrée. C'est à chaque mais fois que je suis déjà rentré depuis 100 ans. C'est à chaque fois que tu rentres, c'était loyal avec nous. Moi c'est quoi? À qui je dois les donner? À moi. Ok, croate. Radio Bandit, vous êtes des putes. Voilà, 2000. Ouais. C'est qui a reçu? C'est Mladen? Sale bâtard, tu m'as envoyé 2000. Chut. En tout cas, je commence à t'apprécier. Hein. Vas-y. Attends. J'aime bien quand tu payes, les gens qui payent comme ça. Ouais, on peut y aller, J. Ta gamme, on peut y aller.
Je me... Attends, j'ai rien reçu là. Je me casse l'argent. Fais quoi lui? Naden, t'as reçu? Non, moi rien du tout, j'ai reçu quoi? De conneries ça? Ok. Bon, on va où là? Tu vas payer. Bonne nuit les gars. T'as donné? Ah, il a pas armé, il a payé, mais pas moi en tout cas. Ah, il m'a donné. Non, mais c'est J qui a reçu, je crois. Non, je vais te donner. Il t'a donné? Mais c'est J qui a dû recevoir. Non, c'est bon. T'as vu la mise en scène et tout? Bien. Oui, bien sûr, super. C'est stratégie américaine ça. J'adore. Merci. Je sais pas pourquoi il a peur de moi, mais pourtant je suis gentil. Hein. Tu peux faire un détour à la chemise là que j'aille me la chercher. Ah, ça va, sympa, hein, putain. Allez, merci. Ça va vite ce genre d'enjeu? Ça va toi? Ça va, ça va. C'est qu'on va y aller de fond, ça. Peut-être que vous fassiez un nom. Là, là, super. Ça va, ça marche les affaires? Ça marche, ça va. Pour l'instant, non. Ah merde. C'est normal, on vient d'ouvrir. Oui, bah bien sûr, hein, le temps que les gens ils fassent leur pub et tout ça. Bon, par contre, on n'a pas trop de temps. Oh là là, super. On n'a pas trop de temps, on vous laisse. Tiens, bonne soirée les gars. Pas de soucis, ouais, pas de soucis, bonne soirée. Oh! Oh là là là. Comment ça elle a touché Peter? Comment ça elle t'a touché elle? Elle est malade ou quoi? Bladen, vas-y mollo avec la bloodline dès que je te l'amène hein, parce que... N'oublie pas qu'il a 200 000 sur lui. Hein. Est-ce qu'il a de quoi recevoir un petit coup par terre? Et moi honnêtement, si tu me dis non, je lui mets un petit coup derrière l'oreille et puis je me limite à ça. Négatif, le tape pas trop fort. Oh, je lui mets un petit coup alors. T'es où? Donc, on t'attend. Armory 4, 5, c'est ça. On arrive. Ouais. Cooper, on arrive. White, tu peux te parler deux secondes avant? Vas-y. Dis-moi. Viens, viens, on se met à l'écart. Juste que je sois sûr, parce que j'aime pas trop punir les gens sans raison. Quand il t'a donné l'argent, il te l'a donné en argent sale. Ouais. Donc il a essayé de nous la mettre à l'envers, c'est ça? Ouais, c'est une boutade. Oh, il a essayé de... Voilà. Oui, d'accord. Bon, je vais lui mettre un petit coup, je vais... Une petite targette, attends. Un petit pain histoire de faire circuler le sang. Déjà je te lance ça hein. Histoire ah oui, de... je redonnerai. Laisse-moi boire un petit coup. Regardez, attendez. Bon attends, avant que je parle, je vais m'hydrater, hein. Y'a un problème? Attends, je bois un coup. Tu me souhaites pas bonne santé là? Tu bois quoi? De la vodka? Non. Pas maintenant, ça sera après. La vodka. Ah, pour fêter ça. Il avait tout prévu en fait, il était en mode. Il est plein. Je suis pas me la donne là. Eh hey, je dors pas moi, vous croyez trop, je dors hein. Ah, oh, ça fait mal.
Arrête, arrête, il est plein, il a 200 000 sur lui. Cooper. J'espère qu'il est pas mort. Non, c'est rien. Parce qu'en fait, je veux que sa mort soit à moi en fait. Bon. T'as pas essayé de nous la mettre à l'envers. Super le crochet. Hein. Quoi que t'étais à l'affût, t'attendais que ça. J'aime bien, oui, j'aime bien. Savais, je m'en doutais. Pas de problème. Bon, pas de chose sérieuse. Tu sais ce qui te lâche à faire, je pense. Mets dans poche gauche. Quoi, poche gauche? Qu'est-ce qu'il y a dans la poche gauche? Propre. Ah merde. Mais non, mais pourquoi? J'ai donné de l'argent, vous m'avez demandé 2000, j'ai donné 2000. Sale. Mais vous avez pas précisé. Vous avez pas dit pas argent propre là ou argent sale? Je te le dis, argent propre. Bah, argent propre, j'ai plus rien. Il a plus rien? Juré. Non, juré, je vous jure. Ah, je vous jure, j'aurais donné. Charge, à sa décharge, il a plus rien. Bon. C'est vrai, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai 12 000 pile poil pour acheter une arme. T'as un crédit de 2000. Ok. Ok. Mais je t'aime bien. Sont notés. Mais je t'aime bien, j'aime bien les gens qui ont des réflexes comme ça. Il a des bons réflexes, merci, le merci. Petit. C'est seulement la jeunesse. Ah ouais, t'as vu? T'as quel âge? Ah, il est encore un peu con, mais. T'as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Oh, t'es encore. Petit fruit là. Ouais, je suis encore un petit loustique, comme ils disent les flics. D'accord, super. Mais attention à toi. Hein. Capito. Je préfère prévenir. Mieux prévenir que guérir. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ça, y'a pas de problème, c'est noté. D'accord, en tout cas j'aime bien, joli pas réflexe. Pas de problème la prochaine fois. Merci. Ah, tu vois, ah les non, gars, bah non. On se capte. Ouais, c'est normal, il attendait. Y'a pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Non, je nickel le réflexe. Ouais, dès que t'as des infos. Mais en plus, je voulais même pas le taper à ce moment-là en fait. C'est ça qui m'emmerde. Et que je voulais boire, je voulais me remettre bien. Et je voulais après enchaîner en lui parlant et en lui mettant un coup. Ah oui, non, il a bien joué, il a bien joué. Ah, il a flippé, hein. Il a fait dans son froid, que je pense. Ouais, je pense. Non, mais j'aime bien, il a des bons réflexes, mais il s'y attendait. Hein. Mais le problème, je voulais pas le frapper oui. Là, je sais pas pourquoi, j'ai eu coup d'instinct là. C'est pas de risque. Ah, c'est mon âge, il me tuera mon âge. Et quel âge? 47. Oh putain. Mais je l'aime bien, je sais pas pourquoi ce petit il a de la fougue. Il a un peu grande gueule, mais il a de la fougue. Je sais pas ce que t'en penses. Non, ouais, c'est vrai. On verra bien ce que ça donne à l'avenir. Ouais. Par contre, faut qu'il soit plus prudent. Bon, bah, allez, à demain, Bladen. Allez, bonne soirée. Ouais, ouais, c'est clair. On se voit ouais, demain. Ciao. Ah là là, vieillesse. Oh, qu'il est, bah. Aïe, aïe. Arrête.